kangwama ya solo moto ya solo to singing ya ekita ya solo kembo emonana ya solo umbona yesu enetwama Bonsoir. Alors, je nous souhaite tous la bienvenue ce soir dans la présence de Dieu. Ce soir, nous ne sommes pas tous sans ignorer que ce soir, ce n'est pas un culte comme les autres, c'est un culte d'alliance. Amen. Nous sommes le 1er avril, le premier jour d'un nouveau trimestre. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Le Dieu qui nous a gardés depuis le 1er janvier. Et maintenant, nous sommes le 1er avril. Quatre mois après, ça se célèbre. Quatre mois après, ça mérite qu'on se lève et qu'on acclame. Ça mérite qu'on pousse les cris de joie. Ça mérite qu'on ne reste pas calme. Ça mérite qu'on élève Dieu. Qui nous a conduits jusqu'ici, qui a dirigé nos pas, qui a pris soin de nous, qui a veillé sur nous. Alors, c'était vraiment pas prévu ce chant, mais il est venu juste là maintenant. Alors j'aimerais qu'on le chante ensemble. C'est simple, c'est très simple. Mais c'est en même temps une prière, mais c'est surtout une prière, une reconnaissance à cause du fait que Dieu a toujours été là depuis janvier jusqu'à maintenant. Il a toujours été là, il a pris soin de nous. Et ce chant, il est très simple. Il dit ceci. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu précèdes mes pas. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu précèdes mes pas. Tu ne m'abandonnes pas. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu précèdes. Tu précèdes mes pas. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu précèdes mes pas. Tu ne m'abandonnes. Tu ne m'abandonnes. En lingala ça dit Nassanga mon côté. Nassanga mon côté. Nassanga mon côté. Yoko zala nangai. Yoko tikanga nazama mokote nazama mokote
J'entame ce trimestre avec la conscience que Nassamba Mokote. Yoko Zalananga. Yoko Zalananga. Koti Kangate. Yoko Ti Kangate. Nassamba Mokote. Nassamba Mokote. Nassamba Mokote. Nassamba Mokote. Yoko Zalananga. Yoko Zalananga. Koti Kangate. Seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu précèdes mes pas. Tu précèdes mes pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas. Est-ce que quelqu'un peut juste élever sa voix parce qu'il est conscient maintenant qu'il n'est pas seul? Que depuis le début, il n'avait pas été seul et que même aujourd'hui, il n'est pas seul. Osaïe au mon côté. Même en ce lieu ce soir, Osaïe au mon côté. Osaïe au mon côté. Nous te célébrons, Père, de ce que nous ne sommes pas seuls. De ce que nous n'avons jamais été seuls en réalité. Parce que tu as dit, et voici, je suis avec vous. Dès maintenant et jusqu'à la fin des temps. Dès maintenant et jusqu'à la fin des temps. Dès maintenant jusqu'à la fin des temps, dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, tu as promis toi-même, je ne suis pas seul. En ce 1er avril, je ne suis pas seul. Alors que je viens encore conclure alliance avec toi, faire alliance avec toi, je sais que je ne suis pas seul. Je sais que je ne suis pas seul. J'ai un partenaire fiable.
Eza bona mayele na kela cité. Bona boye ngebene na yo. Yawe otonda na bolingo. Yawe otonda na mawa. Amen.
te mettre à célébrer Dieu. Célèbre-le, 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 célèbre-le. Je me refuse de pleurer. Je me refuse de pleurer de tristesse ou de honte. Mais s'il faut que je pleure, c'est parce que Yahweh a salué. Mais s'il faut que je pleure, c'est parce que mon Père est dans les cieux. Oh, nale la tena bangate. Droite de oh Yahweh Azali, oh les apôles les dents, Zambalikolo Azali, il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux pour ce prochain trimestre, il y a un Dieu dans les il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Père qui gère toutes choses, il y a un architecte qui régule le plan très bien, il connaît le plan, il connaît le plan, l'architecte connaît le plan, tu sais très bien ce que tu es en train de faire, tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Pour ma famille, tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Pour mon destin, tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire, Père. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Tu sais très bien, tu sais très bien. Tu sais très bien. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Oh, 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 ah. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas un hasard. Tu sais ce que tu es en train de faire. Déclarer, continue à le proclamer. Il y a un Dieu dans les cieux et il sait faire toutes choses. Non seulement qu'il sait, mais il peut faire toutes choses. La Bible déclare que lorsqu'il était en train de créer, à la fin il remarquait que chaque chose était bonne. Mais le dernier jour, lorsqu'il créa l'homme, la Bible dit Dieu vit que cela était très bon. Et pour ce trimestre, le Seigneur est en train de placer le décor. Et à la fin, lorsqu'il va te placer dans le décor, il dira que c'était très bon.
Il dira que c'était très bon. Il dira que c'était très bon. Il dira que c'était très bon. Il dira que c'était très bon. Fais comme tu veux. Mais sur ton trône, fais comme tu veux. Trimestre, Seigneur, je dis, fais comme tu veux, mais sur ton trône, fais comme tu veux, là-haut dans les cieux. Nous prions et nous demandons, fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux, là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. J'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. Nous élevons un Dieu qui est souverain. Fais comme tu veux, Père. Fais comme tu veux. Fais comme tu l'as dessiné dans ton plan. Fais comme tu l'as prévu dans ton agenda. Sur ton trône. Fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux. Là-haut dans les cieux. Là-haut dans les cieux. S'il te plaît. Sur ton trône. Ce soir, un Dieu souverain, fais comme tu veux, fais comme tu veux, fais comme tu veux, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, je t'en supplie. Là-haut dans les cieux. Dans les cieux. Des projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Ce n'est même pas moi, c'est toi, Éternel. C'est toi, l'architecte. C'est toi, le metteur en scène. C'est toi, le chef. Mais sur ton trône, je n'ai rien vu, même quand je n'ai rien touché. Fais comme tu veux. Quand même je n'ai rien entendu, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Quand même je n'ai rien touché, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Même quand c'est plus fort que moi, fais comme tu veux. C'est au-dessus de mes moyens, fais comme tu veux. Quand ça me dépasse, je t'en supplie, fais comme tu veux. Pour ma famille, s'il te plaît, fais-le. Fais comme tu veux. Pour l'église ce soir, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Ah, acclame-le très fort.
Acclame-le très fort. Acclame-le très fort. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'arrête. Les acclamations sont en train de heurter les toits. Est-ce que tu peux faire beaucoup de bruit pour ton Dieu? Tu peux acclamer ton Créateur. Je ne te demande pas d'acclamer un homme. Je te demande d'acclamer le Dieu qui a fait que tu sois celui qui t'a préconnu à l'avance. Avant que tu ne sois, lui, il était. Et il t'a programmé qu'à tel âge tu viendras. Tu peux faire beaucoup de bruit pour ce Dieu-là. T'assois pas, reste debout, tu vas lire la parole de Dieu, on va lire la parole de Dieu avant d'aller encore beaucoup plus loin. Lisons dans le livre de l'Évangile selon Jean, premier chapitre, le verset 12e, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a reçu la parole ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui a cru au nom de Jésus ce soir? Je ne te vois pas, je ne te sens pas. Tu as cru au nom de Jésus? J'ai une information à te donner. La Bible dit, tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, devenir enfant de Dieu est un pouvoir. Quelqu'un a le pouvoir ce soir. Quelqu'un a le pouvoir ce soir. Si tu as ce pouvoir-là, ce soir, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je veux manifester ce pouvoir. Dans Luc 10-19, la Bible dit, vous avez reçu tout le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, alléluia, et rien ne peut vous arriver. Tu vois ce soir démontrer que tu as reçu le pouvoir de Dieu. Tu vois ce soir affirmer que tu as reçu le pouvoir de Dieu. Tu vois ce soir confirmer que tu as reçu le pouvoir de Dieu. Tous tes problèmes là, tu vas marcher dessus. Tu vas marcher dessus. Christ a dit, vous allez marcher sous toute la puissance des ténèbres. Vous allez marcher sous les scorpions. Vous allez marcher sous les serpents. Ils ne vous feront rien. De là où tu es, tu vas confesser cela dans ta bouche. Et tu vas le proclamer, tu vas le déclarer. Tu vas dire, je reçus le pouvoir. Quel que soit le géant qui te pose devant toi, tu vas dire, je reçus le pouvoir. Et tu vas l'écraser, tu vas marcher. Est-ce que tu pries avec moi? Je reçus le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. Les sorciers peuvent venir, mais moi j'ai reçu le pouvoir. Les démons peuvent s'élever, mais moi j'ai reçu le pouvoir. Le diable peut s'élever, mais moi j'ai reçu le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de marcher sous les scorpions. Le pouvoir de marcher sous les serpents. Le pouvoir de marcher sous toute la puissance. Il y a quelqu'un qui ne sent pas ça ce soir. Ah, Nazo Kayote. Tu as reçu le pouvoir, mon frère. Tu as reçu le pouvoir, ma soeur. Est-ce que sais-tu ce que tu as reçu? Sais-tu ce que tu as reçu? Le diable est sous tes pieds. Les sorciers sont sous tes pieds. Les démons sont sous tes pieds. Le diable est sous tes pieds. Les problèmes sont sous tes pieds. Rimaya Kamasache. Yondorobo Koza Sibra. Riba ba 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 ba
J'ai reçu le pouvoir. Je proclame que j'ai reçu le pouvoir. Je déclare que j'ai reçu le pouvoir. Et ce pouvoir est tangible. Elle est tangible parce que j'entre en action. Parce que j'entre en action. Parce que j'entre en action. J'ai reçu le pouvoir de marcher sous les scorpions. J'ai reçu le pouvoir de marcher sous les serpents. J'ai reçu le pouvoir de marcher sous toute la force de l'ennemi. Les diables peuvent s'élever. Les démons peuvent s'élever. La Bible dit, ils viendront vers toi sur une seule route, mais ils trouveront sept chemins à leur retour, parce qu'ils me trouveront fort. Ils me trouveront fort. Ils me trouveront fort. La Bible dit, l'Esprit viendra, et l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. L'Esprit de Dieu le mettra en déroute. L'Esprit de Dieu le mettra en déroute. L'Esprit de Dieu le mettra en déroute. Parce que j'ai reçu le pouvoir. 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 L'ennemi s'enfuira. L'ennemi s'enfuira. L'ennemi s'enfuira. Je le résisterai parce que j'ai reçu le pouvoir. La Bible dit, résistez à l'ennemi, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Celui qui a reçu le pouvoir a la capacité de résister à l'ennemi. Senta gloria, senta reke bebe. Rabazike ondorobo koza. Rabababababababa chete. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. L'exousia. J'ai reçu l'exousia. Le pouvoir. Le pouvoir. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai le sang de Dieu qui coule en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie éternelle en moi. J'ai la vie éternelle en moi. Le diable ne me fait rien. Rimayaka mama 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 mama. Chentere que bébé. Yondoro boko zaribla yakabaza. Chenta gloria, chentere que bébé. Rabababababababa chete. Oh merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Écoute mon frère, je ne sais pas si tu te rends compte de choses que Dieu t'a données. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est la situation qui te tracasse. Ce soir, tu vas dire, je n'ai rien à voir avec les problèmes qui viennent à moi. Tous ceux qui viennent de l'extérieur ne me feront rien. Je n'aurai peur de rien. Je n'aurai peur de rien. La maladie viendra, je serai vainqueur. Parce que je suis en train de combattre dans la victoire et pour la victoire. L'ennemi viendra, je ne craindrai rien. Je suis en train de combattre dans la victoire et pour la victoire. Quel que soit le problème qui va m'arriver dans la vie, je ne craindrai rien. Parce que j'ai reçu le pouvoir. Tu vas les confesser de ta bouche, tu vas claquer les mains et tu vas dire que la maladie vienne, que les circonstances changent, que les temps changent, que le vent vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait la tempête, je ne craindrai rien. 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 Parce que j'ai la vie de Dieu en moi.
J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Que vienne le problème, que vienne la stérilité, que vienne la famine, que vienne la circonstance dangereuse, je ne craindrai rien. 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 Dis à la situation qui tracasse là. Dis-la. Dis-la que tu ne craindras rien. Parce que Christ est en toi. Et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. 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 Tu combats dans la victoire pour la victoire. Tu combats dans la victoire pour la victoire. Tu ne connaîtras pas d'échec. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Parce que tu marches sous la victoire. Tu marches sous la victoire. C'est vrai, tu peux sombrer un moment, mais ça ne sera pas là ta fin. Parce que tu marches dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Bayana Boutou, Bayana Moy. Tu marches dans la victoire. Alléluia. Soki mo pepe mabe na kota la se. Ako simba kaka. Kombo na yo Yesu. Je ne te tiendrai que toi. Je ne te tiendrai que toi. Na Christo. Na kosi ma bobele Yesu. O soki mo pepe. Na kota la seyo. Na kosi ma kaka. Kombo na yo Yesu. Na elikya na ka. Na kozelonga. Na kombo ya Christo. J'ai l'espérance. J'ai l'encre qui est entré dans la présence de Dieu et qui me soutient. J'ai l'espérance qui me soutient. J'ai l'espérance qui me soutient. Mon espérance est en Christ. Allez, on va chanter ça à la chorale. Ces lieux. Il y a un vainqueur en ces lieux. Il y a un vainqueur en ces lieux. Est-ce qu'il y a encore un vainqueur? Il y a un vainqueur. Il y a un vainqueur. Il y a un vainqueur. Amen. Amen. Oui, tu peux répondre à ta place. J'aime te dire ce soir. Que tu es un vainqueur. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur toute la force, toute la puissance de l'ennemi. Je ne sais pas si tu comprends ça. Toute la puissance de l'ennemi.
Eza la bando qui a famille, Eza la bando qui a quartier, Eza la bando qui a Libota, Eza bando qui a RDC, bando qui a Afrique, bando qui a monde, nous sommes bien basangani, bakoko kayote, parce que tu es un enfant de Dieu et Dieu t'a donné le pouvoir pour cela. Amen. Komita la kapambate, oza mwana na nzambe. Amen. Alléluia. Avant d'aller plus loin, nous allons lire quelques communiqués et annonces. Notre programme de culte qui se présente de la manière ci après. De 17h30 à 19h30, nous avons chaque mercredi des enseignements ici dans ces lieux. Et le jeudi, nous avons notre prière d'intercession sur les nades, qu'on appelle communément jeudi et toko. Et c'est là, de 17h30 à 19h30. Et chaque dimanche, nous tenons en ces lieux notre culte d'adoration. Le premier commence à 8h et se termine à 10h. Et le deuxième culte commence de 10h30 et se termine à 12h30. Les enveloppes offrandes d'alliance sont encore disponibles auprès des membres du protocole. N'oublions pas de pouvoir les prendre parce que nous allons bientôt passer à cet exercice qui consiste à offrir au Seigneur avec des paroles, des consécrations de tous les trimestres qui viennent. Amen. L'Église rappelle que notre collecte à chaque parcelle est prévue pour ce dimanche 3 avril 2022. Les enveloppes à chaque parcelle sont également disponibles auprès du membre du protocole. La dédicace des enfants est prévue également pour ce dimanche 3 avril 2022. Les enregistrements se font au secrétariat de l'Église. Le département des grands jeunes et couples fiancés annonce une nouvelle session des enseignements au mariage à partir du 10 avril 2022. Prière de se renseigner au secrétariat de l'Église. Le département des hommes organise une veillée de prières spéciale en Corée ce vendredi 1er avril, donc aujourd'hui, de 23h à 4h du matin, avec comme thème « Persévérer dans la prière » tirée de Colossiens 4 et 2. Donc c'est tout à l'heure, après que nous avons terminé cette réunion, donc plus exactement à partir de 23h. Le département de l'Écodie m'informe aux parents qu'il organise un pique-nique dénommé « Brisons la glace » pour les adolescents dont l'âge varie entre 11 et 17 ans. Ça sera pour les samedi 16 avril 2022. Le lieu sur le site Elie Makimwenza. Le frais de participation, c'est 10$ par enfant. La commission des baptêmes et affermissements informe à toutes les personnes qui sont inscrites à la 9e session des baptêmes que les enseignements vont devoir débuter le dimanche 3 avril 2022 après la réunion du premier culte. Le ministère dynamique département prenant les jeunes de l'Église en charge, convie les jeunes à prendre part aux 4 samedis d'édification avec pour grand thème Conversation avec Jésus-Christ. Ce samedi 2 avril 2022, donc demain, il sera exploité le sous-thème Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. L'orateur, c'est le frère Francis Manou. Le ministère des femmes informe à toutes les femmes que leur prochaine réunion dénommée Tomi Ngengisa aura lieu le 8 avril 2022. De 17h à 19h, avec comme thème « Femmes sentinelles, suite et fin ». Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Soit ton offrande ordinaire, tu la prends. L'offrande alliance, c'est au moment où nous allons faire les alliances. Maintenant, nous allons offrir de manière ordinaire nos offrandes, comme nous avons l'habitude de le faire dans chaque culte. Et si tu veux prendre ton offrande entre les mains, tu peux lever ta main en l'air. Nous allons prier pour ça. Père, merci pour ce moment où tu nous donnes l'occasion, l'opportunité de participer à l'avancement de cette grande œuvre que tu es en train de bâtir en ces lieux. Nous venons avec nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce pour Dieu de gloire contribuer à cela. S'il te plaît, Seigneur, permets à ce que l'Église puisse rencontrer tous ces objectifs avec nos offrandes, Papa. J'ai prié également pour tous ceux qui n'ont rien amené dans ta présence ce soir. S'il te plaît, touche-les, afin qu'à la prochaine occasion, ils aient quelque chose à te donner. Bénis-nous, bénis nos affaires, bénis nos business, bénis-nous tout ce que nous faisons pour avoir de l'argent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. L'orateur de ce soir, c'est le pasteur
Mehdi Vedoso, qu'on ne présente plus à notre église parce que c'est vraiment un membre de cette église. Amen. Merci de m'avoir accueilli. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en ce soir? Est-ce qu'il y a 2-3 mille loueurs qui peuvent mille louer pour Dieu ce soir? Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Je suis très heureux de vous revoir, homme de Dieu. Merci, pasteur. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer son voisin à gauche? À droite, je vais saluer mon voisin. En respectant les gestes barrières. Gestes barrièrement. Est-ce que vous pouvez lui demander comment il va, comment elle va, comment s'est passée la tournée? Est-ce que vous pouvez lui souhaiter des bonnes choses pour le week-end et pour la semaine qui va commencer la semaine prochaine? Est-ce que vous pouvez lui souhaiter des bonnes choses pendant ce culte d'alliance? Le sambo, il a beaucoup de bénédictions. Je suis très heureux d'être là et je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il me donne de travailler ce soir. Et un très, très, très grand merci au Père que Dieu a établi dans cette maison à la Cité de l'Espérance, le pasteur Freddy Molenga. Je suis très heureux et très reconnaissant à Dieu pour cette connexion qu'il m'a donnée auprès de lui. Et avec lui, son épouse, Maman Joëlla, merci beaucoup. Merci de transmettre les remerciements au pasteur. Je suis très, très, très heureux d'être en contact avec eux. Et Maman Joëlla qui me fait beaucoup, beaucoup de réflexions. Je suis encore en train de prier pour ne pas prêcher certaines des réflexions que Maman Joëlla m'a faites, sinon je vais prêcher ça avant elle. Je risque de prêcher ça avant elle-même. Et j'ai vu dans la salle ma tante qui est venue. J'étais très surpris de la voir. Quand je regardais, j'ai dit c'est elle, c'est pas elle. Elle est là, Maman Marie-Jeanne. C'est une belle surprise. Alliance par le sang. Alliance par le sang. Il y a plusieurs passages des Écritures que nous allons exploiter ce soir. Mais je ne voudrais pas que nous puissions nous étendre longtemps dans le message. Donc je vais nous rappeler tout ce que nous savons déjà. J'ai vérifié, j'ai regardé, j'ai relu. Il n'y a rien de ce que je dirais aujourd'hui que vous ne connaissez pas. J'ai vérifié ça. Tout ce que je vais dire ce soir, vous le connaissez. C'est juste des choses que je vais nous rappeler afin d'aller dans l'après. Pour que nous puissions prier dans certaines directions. Et après quoi, je vais remettre le micro et... les hommes de Dieu vont continuer dans la direction avec l'offrande d'alliance, avec la Sainte Cène et tout ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Hébreux, chapitre 9. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9. On est ensemble, n'est-ce pas? La première, à partir du premier verset, je vais commencer à sauter chaque fois pour que
pour que nous ne puissions pas tout lire. Hébreux chapitre 9, à partir du premier verset, je lis en français. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, et la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus, c'est la Bible qui le dit. Or, les choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Verset 8, le Saint-Esprit montré par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. J'ai sauté verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. L'alliance par le sang. C'est ça le sujet qui m'a été donné pour ce soir, l'alliance par le sang. Alors puisque je suis à la Cité de l'Espérance, je suis dans un endroit où ce culte est déjà organisé depuis un moment déjà. Donc je ne vais pas revenir dans avec beaucoup de détails sur l'alliance parce que je suppose que chacun de nous ici sait de quoi on parle quand on parle de l'alliance. Juste en survolant cette notion, nous nous rendons compte que l'alliance est un thème qu'on va dire dominant dans les Écritures. Et c'est un thème qui sert de fondement dans l'histoire de Dieu et des hommes. Cela sert de fondement pour le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'une alliance au sens littéral, en survolant? Au sens littéral, une alliance signifie un accord. Un accord, on dira, un peu comme un accord contraignant, un accord entraînant des engagements, des obligations. Un accord qui
qui lie deux ou plusieurs parties. C'est comme un seau entre une ou entre deux ou plusieurs parties. Dans l'alliance, il y a comme l'idée d'une promesse contraignante d'une très grande envergure. D'une importance considérable. Alors depuis des temps immémoriaux, depuis très longtemps, les humains faisaient contracter des alliances. Des alliances entre les individus, des alliances entre des groupes, des alliances entre des nations. Il y avait dans ces alliances des aspects sociaux, juridiques, religieux et autres. Et il y avait toujours des raisons aux alliances. Les individus pouvaient entrer en alliance. Par exemple, quand une tribu forte vivait à côté d'une tribu faible, et qu'il y avait le danger que la tribu faible soit détruite, la tribu faible pouvait demander d'entrer en alliance afin d'être conservée, afin d'être préservée. Il y avait aussi des alliances dans le cadre, par exemple, des affaires. Des hommes qui entraient en alliance afin de se rassurer que personne ne profiterait de l'autre. Que personne ne ferait du mal à l'autre. Les deux parties pouvaient se convenir d'être francs. Et par exemple, certaines alliances se contractaient, on dira, par amour. Des individus qui entrent en alliance parce qu'ils s'aiment. On a par exemple dans la Bible l'exemple de David et Jonathan. L'alliance sur base de laquelle même plus tard David dit: y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Mais c'est à cause de Jonathan. Donc il y avait plusieurs raisons comme ça pour les alliances. On ne va pas aller dans toutes les raisons. Et ce soir, on parle donc d'une alliance, mais on parle de l'alliance par le sang. Et ce soir, je vais aller directement au but. On ne parle pas, on ne va pas parler de toutes les alliances, de tous les pactes. On va aller dans l'alliance par le sang, mais par le sang de Jésus-Christ. Voilà. Et comme dans le texte d'Hébreux que nous avons touché, et nous allons parler de l'alliance par le sang, on va toucher le Nouveau Testament, on va aussi toucher un texte. Parce que comme vous le savez, l'Ancien Testament était l'image de ce qui devait venir. On est toujours ensemble, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors dans l'épître aux Hébreux que nous avons lu, l'auteur est un peu comme en train de jeter un pont. Celui qui écrit jette un pont entre le système sacrificiel de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Il est en train de parler de comment ça se passait dans l'Ancien Testament et comment ça s'est passé avec Jésus-Christ. Il place cela comme ça, comme un peu un pont. Il dit avant, on devait sacrifier les animaux et le souverain sacrificateur devait venir
Et il devait venir une fois par an. Chaque année, il fallait revenir. Mais il montre la supériorité du sacrifice en Jésus-Christ. Où Jésus-Christ s'est donné. Et il s'est offert une seule fois. Il dit d'ailleurs, le souverain sacrificateur est le seul qui allait jusque dans le Saint des Saints. Et une seule fois. Mais Jésus-Christ est allé, a fait le sacrifice une seule fois. Et par lui, nous avons accès au Père. Là où les autres, même quand ils servaient le Seigneur dans le temple ou dans le tabernacle, devaient s'arrêter quelque part. Et qu'un seul devait aller une seule fois par an. Il nous montre qu'aujourd'hui, par Jésus-Christ, qui est allé et qui s'est donné lui-même une seule fois, nous avons maintenant accès auprès du Père. Nous allons le voir quand nous allons commencer à chuter ce soir. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, quand on nous parle du sang, nous voyons que le sang représente la vie. Nous pouvons voir ça par exemple dans Genèse 9. Le sang représente la vie. Nous voyons cela Genèse 9 est en train de parler des choses, de la vie des animaux, de la vie des hommes. La Bible nous explique que la vie est représentée par le sang. Donc pareillement, le fait de verser le sang, l'effusion du sang représente la mort. Parce que quand on verse le sang, c'est pour amener la mort. L'effusion du sang est la représentation de la mort. Nous pouvons voir ça dans Lévitique au chapitre 17. La mort. Et la Bible nous montre que la peine du péché contre Dieu, c'est la mort. C'est Romains qui nous en parle. Romains 3, 23, Romains 6, 23. La mort. Nous avons péché contre Dieu. En Adam, nous sommes donc condamnés à mourir. Nous sommes donc condamnés à porter ce péché sur nous. Nous sommes condamnés à le faire. Ce jugement devrait tomber sur nous. Et puis le Seigneur trouve un système. Parce qu'il faut qu'une... Il y a un système dans l'Ancien Testament qui permet qu'on prenne une vie, la vie d'un animal, pour le péché d'un homme. Merci. Merci. Il faut qu'on prenne la vie d'un animal pour un homme qui a péché. Il faut un sacrifice. Il faut qu'on prenne la vie d'un animal. Il faut que son sang coule. Il faut qu'on l'égorge. Que le sang coule. Que sa vie soit prise. Qu'il porte la mort afin que le péché qui doit emmener la mort sur l'humain soit couvert. Il faut que le sang coule quelque part pour que le sang ne coule pas ailleurs. Il faut que le sang coule quelque part pour que la vie de l'homme soit préservée. Alors c'est ainsi que la vie des bêtes, la vie des animaux est prise. Et c'est avec le
le sang des animaux que le souverain sacrificateur se présente pour le sacrifice. Et ces sacrifices ne faisaient que retarder l'inévitable. Parce qu'il n'ôtait pas le péché, il couvrait le péché. Quelque chose d'inévitable devait arriver. Un jour, le jugement final devait tomber. Un jour, l'homme devait payer. Un jour, ce à quoi on ne pouvait pas échapper devrait arriver. Parce que l'humain ne pouvait pas continuer à vivre comme ça tout le temps. Et c'est en cela que Jésus-Christ est la réponse de Dieu pour les hommes. Nous, pour que nous ne soyons pas toujours en train de sacrifier. Pour que nous ne soyons pas toujours en train de couvrir. Le Seigneur Jésus est venu afin de ôter. Afin que nous ne soyons pas toujours en train de couvrir. Afin que l'homme ne soit pas toujours en train de faire des efforts insuffisants. Des efforts qui n'enlèvent pas l'inévitable. Des efforts qui retardent l'inévitable. Jésus est venu pour la perfection. Jésus est venu pour ôter. Ainsi, Hébreux 9 nous montre qu'il a versé de son propre sang pour une alliance meilleure. Il a versé de son propre sang pour des bénéfices meilleurs. Hébreux est donc en train de célébrer certains des avantages spécifiques dont bénéficient ceux qui croient en Jésus. Des avantages spécifiques de la foi en Christ Jésus. Des avantages spécifiques de l'alliance en Jésus. Des bénéfices spécifiques du fait qu'il y a une alliance dans le sang de Jésus. Du fait qu'il y a une alliance dans la vie que Jésus a donnée. Du fait qu'il y a des bénéfices dans le fait que Jésus a porté sur lui la mort. Il est mort afin que nous ne puissions pas mourir. Il a été frappé afin que nous ne soyons pas frappés. Il a été condamné afin que nous ne soyons pas condamnés. C'est à cause de lui que la Bible nous dit: il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a porté sur lui ce qui devait nous arriver. Ce qu'on ne pouvait pas éviter, nous l'avons évité parce qu'il l'a pris sur lui. Ce que nous ne pouvons pas fuir, nous y avons échappé parce qu'il l'a porté sur lui. Et à part l'auteur de l'épître aux Hébreux, les autres apôtres nous parlent de ces choses aussi. Pierre, Paul, que nous toucherons dans les 5-10 minutes à venir avant de prier. Quand une alliance était conclue entre des individus, c'était sous des termes, sous des conditions. Et cela entraînait des conséquences. Une alliance entraîne des conséquences. Une alliance entraîne des choses. Et lorsque Jésus a donné de sa propre vie, a versé de son sang, a accepté de mourir sur la croix, Jésus a fait une déclaration puissante en se donnant pour nous,
honte pour le péché pour nous. En étant crucifié pour nos iniquités. En étant transpercé pour nos péchés. Jésus nous a rendus bénéficiaires d'une alliance éternelle qui ne peut jamais être brisée, qui ne peut jamais être modifiée, qui ne peut jamais être annulée. L'alliance en Jésus est éternelle. Non seulement qu'elle ne se répète pas chaque année et qu'elle est faite pour toujours, ça veut aussi dire que parce qu'elle ne peut pas être répétée, nous ne pouvons pas avoir des chances. Il ne peut pas y avoir des possibilités que l'offrande rate. Parce que l'offrande des souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament pouvait rater. Quand ils entraient, on devait lui attacher une cloche. Parce qu'il pouvait à l'intérieur échouer dans sa mission, être frappé par Dieu, mourir, et personne ne pouvait aller jusque là-bas. Il fallait qu'on le tire, il fallait qu'on le sorte à l'aide d'une corde. Donc on pouvait attendre, ne pas savoir est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il n'a pas réussi, est-ce qu'il sortira, est-ce qu'il ne sortira pas, est-ce que cette année les choses se sont bien passées. Est-ce que cette année Dieu nous a agréés? Est-ce que cette année il faut recommencer? Est-ce que cette année il faut essayer encore? Est-ce qu'il faut attendre l'année prochaine? Jésus est pour nous l'auteur d'une alliance éternelle. Non seulement qu'il a réussi, il a réussi pour toujours. Je peux être sûr aujourd'hui de l'alliance avec Dieu à cause de Jésus. Je peux être sûr demain de l'alliance avec Dieu à cause de Jésus. Je peux être sûr la semaine prochaine de l'alliance avec Dieu à cause de Jésus. Peu importe les temps qui passent, Jésus a réussi pour toujours. Je ne suis pas dans l'angoisse des résultats. Les résultats sont miens pour toujours. Il n'y a même pas de possibilité de modification. Parce que c'est une alliance éternelle. Il l'a fait pour toujours. Ce que le Seigneur a accompli sur la croix, c'est valide pour moi. C'est valide pour toi. Pleinement aujourd'hui. Pleinement demain. Il n'y a pas de moment où on se dira non, peut-être que dans cette alliance là, cette année, vu la conjoncture, vous voyez dans ce siècle, pour le 21e siècle, peut-être que les choses que Christ a accomplies ne sont plus autant valides, ne sont plus autant puissantes. Elles ont de la valeur et elles ont de la valeur jusqu'à aujourd'hui. Ces choses ont de la valeur et elles sont valables jusqu'à aujourd'hui. C'est Pierre qui nous le dit dans 1 Pierre 1 à partir du verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Pas par des choses périssables, pas par l'argent, pas par l'or. Je vais vous raconter l'histoire de l'argent, l'histoire de la monnaie, parce que je vais contextualiser ça. Ici je parle de l'argent comme monnaie. Un jour je suis allé chez mon grand-père qui est déjà décédé. Ma tante le connaît, il habitait le Congo central. Matadi.
On arrive chez lui à la maison. On voit un grand tableau en vitre avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais affiché sur le mur. C'était beaucoup d'argent. En termes de nombre de billets. C'était aussi beaucoup d'argent en termes de. En termes de montant, 1 million de nouveaux Zaïre, 500 000 Zaïre. Il avait des Zaïre, il avait des nouveaux Zaïre. Mais ce qu'on appelle 3 millions de nouveaux Zaïre ne peut pas acheter un lijoka. C'est 3 millions. Mais ça ne peut pas acheter un chewing-gum. Pourquoi? Parce que le temps de cet argent est passé. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Avant, 3 millions pouvaient faire des choses que ces mêmes 3 millions-là. C'est la même écriture. La signature n'a pas changé. C'est la même photo. Mais ça n'a plus la même valeur. Parce que c'est périssable. Ça ne peut plus rien faire aujourd'hui. Ça ne peut plus rien acheter aujourd'hui. Ça ne fait plus peur aujourd'hui. Chez mon grand-père, c'était devenu une décoration. Ça n'avait plus de valeur. C'était simplement beau. Ça n'avait qu'une histoire. On pouvait dire c'est 3 millions. À l'époque, ça aurait pu acheter un terrain. Tu sais, à l'époque, avec tout ce que j'ai, j'aurais pu acheter des voitures. Mais aujourd'hui, ça ne produit pas la même chose. Parce que c'est périssable. Il fut un temps où tout le monde allait vers les diamants. Ceux qui avaient les diamants étaient forts. Ils étaient riches. Et à un moment donné, le cours des diamants avait chuté. Les diamantaires que l'on craignait dans la ville de Kinshasa n'avaient plus rien. Il fallait changer de business. Il fallait changer d'activité. Parce que le diamant n'avait plus la même valeur. Ceux qui vendaient les diamants commençaient maintenant à vendre des chiens. Ils commençaient à vendre des maisons. Ils commençaient à vendre des voitures. Ils commençaient à vendre des bijoux. Ils commençaient à vendre des vêtements. Il fallait changer de secteur d'activité. Parce que la chose qui donnait de valeur n'avait plus la même production. C'est pourquoi Pierre prend le soin de nous dire, ce n'est pas par des choses périssables, pas par l'argent, pas par l'or que vous avez été racheté. Parce que ces choses-là, à un moment ou un autre, ça chute. À un moment donné, quand tu avais 2000 francs congolais, 2000 francs, il y a 100 francs. Tu pouvais acheter beaucoup de choses. Quand il y avait encore les 50 centimes, quand il y avait encore les 20 francs, aujourd'hui ça a disparu. Aujourd'hui, 2000 francs n'a plus la même valeur. Mais je voudrais nous dire ceci. L'alliance dans le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus ne subit pas le changement dans les taux. Notre l'amour qui n'attend pas, les lomas qui l'aillent, ce combien? Bon, l'objet qui cobique ça, est-ce que le lomas qui ça? Non, l'objet qui cocangola, est-ce que le lomas qui cocangola? Nous ne regardons pas les acquis du sang de Jésus comme on se lève le matin pour regarder le taux du dollar. Ce que le sang faisait hier, il le fait aujourd'hui. Ce que le sang faisait hier, il le fera demain. Ce que le sang a fait 2000 ans passé, il le fera 2000 ans dans l'avenir. C'est par le sang précieux de Jésus. Le sang qui a guéri, guérit aujourd'hui. Le sang qui a sauvé, sauve aujourd'hui. Les temps ont passé, mais la valeur du sang de Jésus est restée la même. Le sang précieux, le sang dont la valeur ne change pas. Dollar et Matae Kita, Makila Nayesu toujours champion. Yes. Amen. Batubayo Kanabasali euro, le sang de Jésus n'a pas changé. Ba franc français est limoué, ba franc belge est limoué. Le sang de Jésus
Après, je me dis non, Sterling est comme menacé. Bazongi na bango na Sterling. Le sang de Jésus n'est menacé par rien. Il a toujours la même valeur. Plus que l'argent, plus que l'or, plus que le diamant, plus que toute autre chose que tu peux connaître. Quand nous parlons de l'alliance par le sang, nous parlons d'une alliance éternelle dont la valeur des choses est éternelle. Parce que la monnaie qui nous a donné ces choses est une monnaie éternelle. Qu'est-ce que tu sais que le sang de Jésus peut faire? Il peut encore le faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as lu que le sang de Jésus peut faire? Il peut encore le faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris que le sang de Jésus peut faire? Il peut encore le faire aujourd'hui. Nous sommes dans une alliance éternelle. L'alliance par le sang. L'alliance par le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin le sang de Jésus? Le sang de Jésus. Quelqu'un peut dire à son voisin le sang de Jésus? Quelqu'un peut encore dire le sang de Jésus? L'alliance par le sang de Jésus, c'est l'alliance la plus élevée que toutes celles qui peuvent exister. Lorsque vous entrez dans l'alliance par le sang de Jésus, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes en alliance avec Dieu par son sang. Cela veut dire que l'alliance dans le sang de Jésus prévaut sur toutes les alliances. Frères et sœurs, même si il se fait que vous avez cru dans le Seigneur hier et qu'il y a des alliances dans la famille, qu'il y a des alliances autour de vous qui ont précédé même votre naissance, quand on parle de l'alliance dans le sang de Jésus, le jour où tu crois dans le Seigneur Jésus, tu as le droit de bénéficier, tu as le droit de bénéficier de toutes les choses pourvues dans l'alliance, peu importe leur âge, peu importe combien de temps cela dure, peu importe combien cela a fait, peu importe combien de temps ça a pris, le sang de Jésus. Ce soir, je suis en train de prier que l'alliance par le sang de Jésus prévale sur toutes les alliances dans le nom de Jésus. Des alliances contractées par vous-même, des alliances contractées par des gens que vous ne connaissez pas, qui ont une influence sur vous. L'alliance par le sang de Jésus prévaudra sur toutes les alliances. Ce soir, quelqu'un va renoncer à des alliances. Des alliances conscientes ou inconscientes. Parce que ce soir, nous sommes conscients de l'alliance par le sang de Jésus. Conscients de l'alliance par le sang de Jésus. Je vais parler de quelques histoires autour de l'alliance par le sang de Jésus. Premièrement, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 24, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Dans Genèse 4, tué par son frère parce qu'il avait offert un sacrifice qui avait été agréé par Dieu, et Caïn a été jaloux, il a tué son frère, et Dieu dit au verset 10 de Genèse 4: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix de son sang crie de la terre jusqu'à moi. J'ai l'impression que quand Jésus est venu, il y a eu des hommes
et des pécheurs et les enseignants de la loi qui ont été un peu jaloux de ce que Jésus faisait. Ils ont commencé à se sentir menacés. Les autorités politiques ont commencé à se sentir menacées. Les autorités religieuses ont commencé à se sentir menacées. Et il fallait tuer Jésus. J'ai comme l'impression que c'est comme une histoire qui se répète. Et Jésus est mort. Jésus est mort. Mais contrairement à Abel, la Bible nous montre que son sang parle mieux. Que son sang parle plus fort. Mais que son sang dit de meilleures choses. Son sang dit de meilleures choses. Son sang parle plus fort et dit de meilleures choses. Si Dieu sur terre, si Dieu au ciel a dit à Caïn, à partir de la terre, j'ai entendu la voix d'Abel. Si le sang de Jésus crie plus fort, lui dans le sang, lui dont le sang n'a pas seulement été répandu sur terre, Hébreu nous montre qu'il est entré jusque dans le sein des saints, dans le tabernacle céleste. Ça veut donc dire qu'il est impossible que Dieu n'entende pas le sang de Christ. C'est impossible que Dieu n'entende pas le sang de Christ. Quand le sang de Jésus a parlé, Dieu a entendu. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus dit de meilleures choses. Là où le sang d'Abel a crié vengeance, le sang de Jésus crie miséricorde. Le sang de Jésus crie pardon de péché. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans Luc 23, 34, avant de mourir, il a dit: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pendant que son sang coulait, pendant qu'il mourait, il a demandé le pardon de Dieu sur eux. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, quand tu es dans l'alliance par le sang de Jésus, tu es couvert par le sang qui crie miséricorde. Tu es couvert par le sang qui crie faveur. Tu es couvert par le sang qui crie pardon des péchés. Nous devons arriver à la révélation que tout ce que nous avons dans la vie, c'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et ce sang qui crie miséricorde nous démontre donc que le Seigneur a renoncé à nous frapper. Miséricorde veut dire que nous obtenons une faveur qui ne nous traite pas selon le mal que nous aurions mérité. Et la Bible nous montre dans Jacques 2, 13, dans la partie B, que la miséricorde triomphe du jugement. Que la miséricorde l'emporte sur le jugement. C'est-à-dire que là où on aurait dû être frappé, la miséricorde arrête la main de Dieu qui devait nous frapper. J'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle ce soir. Si tu es dans le sang, si tu es dans l'alliance par le sang, ça veut dire que le Seigneur a renoncé à te frapper. Parce que Jésus-Christ a été frappé par toi. Mais voici ce que cette bonne nouvelle implique aussi. Si celui qui a le droit de nous frapper ne nous a pas frappé, qui peut nous frapper? Qui peut nous frapper? Qui peut nous frapper? C'est pourquoi Paul peut dire dans Romains 8, 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est lui qui était censé être contre nous, a décidé d'être pour nous. Qui donc a le
le droit d'être contre nous. Romains 8:33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si Dieu a renoncé à te frapper, lui qui avait le droit de te frapper, il a renoncé à cause de l'alliance par le sang. Satan ne peut pas te frapper. Les sorciers ne peuvent pas te frapper. Les ennemis ne peuvent pas te frapper. Si celui qui avait le droit de te frapper a arrêté sa main à cause du sang, à combien plus forte raison ceux qui déjà n'ont pas le droit de te frapper. Si celui qui a le droit de me juger m'a innocenté, qui a le droit de me mettre en prison? Donc je commets un forfait, je suis devant mon juge naturel et on déclare que je suis acquitté, que je suis non coupable. Même si au coin d'une avenue des gens qui ne sont pas d'accord avec le verdict se rassemblent pour dire, non, moi je pense que c'est lui qui a fait ça, parce que normalement il ne pouvait pas avoir été là sans avoir fait, même si c'est vraiment moi qui ai fait. C'est que les groupuscules des gens disent entre eux, ce sont des avis, ce ne sont pas des sentences. La sentence me vient de mon juge. C'est pas parce que des gens ont parlé au coin de l'avenue qu'un policier qui passe qui les entend va demander, vous parlez de qui? Non, on parle de monsieur Mehdi, on l'a acquitté là-bas alors qu'il est coupable. Les policiers ne peuvent pas, sur base de leurs avis, venir me chercher sur moi, chez moi, m'arrêter et m'emmener en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mon juge. Mon juge m'a déclaré acquitté. Mon juge m'a déclaré. Ils ne peuvent pas exécuter les avis de ceux qui ne sont pas d'accord. Satan, c'est l'accusateur des frères. Ça m'importe peu ce qu'il pense. Si mon juge m'a acquitté, le diable n'a pas le droit de m'accuser. Le diable n'a pas le droit de m'accuser. C'est pourquoi la Bible nous dit, en nous parlant de l'accusateur des frères, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est que les policiers exécutent, ce sont les sentences de la justice. Et quand le juge dit, il faut que telle personne puisse libérer telle maison, même si ceux qui sont là-bas ne veulent pas libérer, parce que c'est une sentence de la justice, on peut leur dire, Bobima, ils ne sortent pas. La justice a le droit, à un moment donné, d'appliquer la force, d'envoyer des gens qui vont aller organiser des déguerpissements forcés. Je suis en train de prier ce soir afin qu'en fonction du jugement de notre Dieu, l'acquittement qui est tien puisse aligner toutes les choses qui t'appartiennent. Parce que par le sang, tu as été déclaré juste. Tous ceux qui résistent encore sont appelés à céder, parce que le juste juge, à cause du sang, t'a déclaré juste. Toutes les choses doivent s'aligner. Toutes les choses doivent s'aligner. Ceux qui nous piègent souvent, c'est l'ignorance. Et c'est là où l'ennemi agit souvent. L'ignorance. Par le sang, le juge t'a dit que tu es juste. Mais pourquoi l'ennemi veut s'amuser avec une partie de ta vie? Il n'a pas le droit. Pourquoi tu crois ce qu'il dit? Il n'est pas ton juge. Le diable n'est pas ton juge. Le diable n'est pas ton juge.
D'ailleurs, on l'appelle accusateur. Ce que lui il fait, c'est d'aller dire Talakutu. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Il sait qu'il n'a pas de pouvoir de déclarer un jugement sur toi. Pourquoi tu vis sous ces jugements? Lui-même, il sait qu'il y a un juge suprême chez qui lui il va seulement accuser. Mais malheur à lui. Parce qu'après que lui il parle, nous avons aussi un avocat. La Bible dit auprès du Père. C'est justement ce Jésus qui par le sang de l'alliance parle pour nous. Il parle pour nous auprès de du Père. Un homme de Dieu a dit c'est une affaire familiale. Demandez au diable de nous laisser tranquilles. C'est notre frère Jésus qui parle à notre Père. Ça se règle en famille. Que le diable nous laisse tranquille. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, le sang de l'alliance en Jésus parle pour toi. Et le sang de l'alliance nous assure protection. Nous sommes protégés à cause du sang de Jésus. Je voudrais que quelqu'un dise avec moi protection. Je voudrais que quelqu'un déclare avec moi protection. Je voudrais que pendant 30 secondes, quelqu'un déclare la protection de Dieu sur lui. Déclare la protection de Dieu sur toi. Ta protection dans l'esprit, ta protection dans l'âme, ta protection dans le corps. Dis, je suis protégé par le sang de Jésus. Dis, je suis protégé par le sang de Jésus. Je suis protégé par le sang de Jésus. Je suis protégé par le sang de Jésus. Protégé par le sang de Jésus. Protégé par le sang de Jésus. Et nous voyons ça même dans l'ombre. Exode 12 nous montre cela. L'ange de la mort devait passer pour frapper. Mais Dieu dit, partout où il y aura le sang, à l'entrée de la maison, au linteau, l'ange passera outre. Il ne frappera pas. Ça ne dépendait pas de qui était dans la maison. Ça dépendait de ce qu'il y avait sur la maison. Ça ne dépendait pas de qui habitait la maison. Ça dépendait du sang sur la maison. Ça ne dépendait pas de comment s'appelle celui qui est dedans. Ça dépendait du sang sur la maison. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quand on parle de l'alliance par le sang, ça veut dire que quand l'ange de la mort passe, il regarde le sang. Il ne regarde pas qui est dedans. Il regarde qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'avantage de l'alliance, c'est ça. C'est ça l'avantage de l'alliance. L'ange de la mort ne frappe pas à la porte pour demander, donnez-moi la liste de ceux qui sont dedans. Ça veut donc dire que dans la maison où il y a le sang, même s'il y avait un Égyptien, il aurait été préservé parce que ça dépendait du sang. C'est ça l'avantage de l'alliance. L'avantage de l'alliance, c'est que ça ne dépend pas d'où je viens. Ça ne dépend pas de combien de temps j'ai été dans le péché. Ça ne dépend pas si j'ai été prostitué. Ça ne dépend même pas si tu as avorté dans la vie. Quand Dieu te pardonne, ça dépend seulement du fait que tu es à l'intérieur d'un endroit où il y a le sang. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'as peut-être pas été moralement correct toute la vie, mais quand tu te places dans la maison où il y a le sang, tu es épargné par la mort, tu es épargné par l'ange de la mort. Même si tu as été féticheur, quand on regarde le palmarès, ton histoire de vie, on dit il a été féticheur, il a été sorcier, il est égyptien. Mais quand on dit il est où? Il est dans la maison où il y a le sang sur le linteau. L'ange de la mort passe. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, peu importe celui que tu as été, la question présentement, c'est où es-tu? Si tu es à l'endroit de l'alliance par le sang, tu seras préservé, tu seras pardonné, tu
tu seras lavé. Les bénéfices du sang seront à toi. Pareillement, si tu es enfant d'Israël et que tu es dans une maison, il n'y a pas le sang, tu seras frappé. Pareillement, tu peux être moralement correct, tu as bien vécu, tu t'appelles israélite. Le problème n'est pas comment tu t'appelles, le problème c'est es-tu dans l'endroit où il y a le sang. Tu peux être moralement correct mais être frappé par ceux qui frappent tout le monde. L'alliance par le sang nous donne de préserver la vie dans l'atmosphère de la mort. Il y avait une atmosphère de mort, mais par le sang il y avait une préservation de vie. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il y a peut-être une atmosphère de la mort dans la famille, une atmosphère de la mort dans le quartier, une atmosphère de la mort là où tu vis, mais si tu es à l'endroit du sang, si tu es en Christ Jésus, il y aura préservation de la vie même dans l'atmosphère de la mort. Là où tout le monde pleurait, les enfants d'Israël mangeaient parce qu'ils avaient immolé l'agneau. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, à cause de l'alliance par le sang, tu peux te réjouir en Christ là où le monde entier pleure. Par le sang de l'alliance nous sommes sanctifiés. Être sanctifié veut seulement dire être mis de côté, être mis à part pour une meilleure utilisation. Ça veut dire être mis à part pour une meilleure utilisation. Quand on parle d'utilisation, il y a donc la notion du but. L'utilisation, c'est pour un but. Ceux qui sont sanctifiés par le sang de l'agneau sont mis à part pour une utilisation propre à Dieu. Celui qui est sanctifié par le sang de Jésus ne peut pas atteindre les buts du diable, ne peut pas être utilisé par le diable. C'est pourquoi ce soir, j'interdis à quelqu'un d'atteindre les buts de Satan. Les buts de Satan ne seront pas atteints par toi. Les buts de l'ennemi ne seront pas atteints par toi, parce que tu as été mis à part pour atteindre les buts de Dieu. Pour atteindre les buts de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, tu ne marqueras pas pour Satan, tu ne marqueras pas pour le diable, tu ne marqueras pas contre ton temps, tu ne marqueras pas contre ton camp. Le diable ne t'aura pas dans ses buts, le diable ne t'utilisera pas, parce que au travers du sang on est mis à part pour les utilisations de Dieu. Je serai là où Dieu veut que je sois, je ferai ce que Dieu veut que je fasse et non ce que l'ennemi a prévu. Je n'accomplirai pas les desseins de l'ennemi, parce qu'à cause du sang je suis sanctifié, je suis mis à part. Et par le sang je suis en paix avec Dieu, en paix avec Dieu, en paix avec Dieu. Et cette paix avec Dieu se reflète même sur ma vie. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mes pensées fixées sur le Christ Jésus. Je suis en paix avec Dieu. Dieu ne m'en veut pas, donc rien ne peut m'atteindre, rien de l'ennemi ne peut m'atteindre, rien du diable ne peut m'atteindre. Je peux être victorieux à cause du sang, à cause du sang, à cause du sang. Ça ne dépend pas de qui j'ai été, ça dépend de en qui je suis maintenant. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si vous étiez venu hier, il y aurait pu avoir des condamnations, mais maintenant il n'y en a plus aucune, parce que je suis en Jésus. Hier vous aurez pu m'accuser,
J'aurais pu être coupable. Mais il n'y a maintenant plus aucune condamnation. Quelqu'un ce soir va refuser d'être ramené dans les choses d'avant. Il va dire, il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Ni par le péché, ni par le diable, ni par le monde. Je suis victorieux. Je ne suis plus esclave. Maintenant, je bénéficie des choses qui appartiennent à Dieu. Quand nous prenons même la Sainte Seine, c'est le signe de la communion que nous avons avec Dieu. Ça veut dire je suis en paix avec Dieu. C'est-à-dire là où j'aurais dû être frappé, j'ai la paix. Parce que celui dont je consomme le corps et le sang a été frappé à ma place. Je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Est-ce que pendant quelques secondes, quelqu'un peut rejeter les mensonges du diable? Le diable veut te faire croire en t'accusant que tu ne mérites pas la communion de Dieu, que tu ne mérites pas la communion de Dieu. Justement, tu ne mérites pas, parce que la communion a été effectuée en Jésus. Que l'ennemi ne te manipule pas, c'est Jésus qui a mérité, et c'est par Jésus que j'ai obtenu. Aujourd'hui, je peux m'avancer jusque dans le Saint des Saints, parce que j'ai accès à Dieu. Je peux accéder avec foi, avec courage, avec assurance au trône de la grâce, parce qu'à cause du sang de l'Alliance, à cause du sang de l'Alliance, j'ai été justifié. Est-ce que quelqu'un qui parle en langue peut parler en langue? Est-ce que quelqu'un qui chante peut chanter? Est-ce que nous pouvons déclarer les bénéfices de l'Alliance par le sang de Jésus? Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je voudrais, avec la permission des hommes de Dieu, en deux minutes, nous orienter dans cette direction de prière. Quand par le sang nous sommes rachetés, ça veut dire que nous ne sommes plus là où nous étions. Et loko ici basombi yango. Ezarasu na marché té. Amen. Ezarasu na sika ko zo ngo té. Amen. Soki na sombi micro oyo boko iko somba ngo lisusu kuna té. Po ezali lisusu té. Quelqu'un va déclarer maintenant dans la prière que par le sang de l'Alliance, je ne suis plus dans le marché de l'ennemi. Je n'appartiens plus à l'ennemi. L'ennemi ne peut pas m'utiliser. L'ennemi ne peut pas m'avoir. Est-ce que tu peux le déclarer dans la foi? Lobango, sans le chant, seulement avec la musique. J'ai été acheté par le sang de Jésus. J'ai été pris de là-bas. Je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Dans le marché du péché. Dans le marché de la chair. Dans le marché de la sorcellerie. Dans le marché de la magie. Dans le marché de Satan. Je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Est-ce que la musique peut baisser un tout petit peu, homme de Dieu? Vas-y, déclare-le, déclare-le, déclare-le. Dis, je ne suis plus là-bas. 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 J'ai changé de possesseur. J'ai changé de possesseur. J'ai changé de possesseur. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec foi? Je ne suis plus là-bas.
À cause du sang. À cause du sang. À cause du sang. À cause du sang. Qui est plus que l'argent. Qui est plus que l'or. J'ai quitté le marché. J'ai quitté le marché. J'ai quitté le marché. Je ne peux plus être utilisé. Je ne peux plus être possédé. Je n'appartiens plus au diable. Je n'appartiens plus au péché. Oui, continuez à prier, continuez à prier. Continue à prier, continue à prier. Déclare que tu es une propriété privée désormais à cause du sang de l'alliance. Tu es une propriété privée. Osaï Anzam, Osaï Anzam, Osaï Amotote, Osaï Anzam. Est-ce que tu peux prier encore? Osobon, tu peux ta maboko. Osaï Anzam. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Nazaï Anzambe. Nazaï Anzambe. Nazaï Anzambe. À cause du sang de l'alliance. À cause du sang de l'alliance. À cause du sang de l'alliance. Je suis le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel et qui dit des meilleures choses. Le sang de la miséricorde. Le sang qui crie compassion. Le sang qui crie. Est-ce que tu peux prier pour ta famille? Tu es en train de placer ta famille tout entière dans le sang de l'alliance, dans le sang de Christ. Est-ce que vous pouvez prendre la bande dans la bande de 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 la bande. Parce que toi-même, tu es aspergé par le sang de Christ. Tout ce qui est de toi et tout ce qui est en toi ne sera jamais touché. Bako Simbayote. Bako Simbayote. Bako Simbayote. Bako Simbayote. Riblaza, Riblaya, Kabazache. Tu m'as sauvé. Riba, je vais chanter. Riba, Tangabana, Tanga Moko na Moko. Tangabana, Moko na Moko. Tangaba, Kombo Moko na Moko. Tangape, Kombo na Bango. Tangape, Kombo Mobali na yo. Tangape, Kombo Masi na yo. Lobala, Nzambete. Bazana, Sera, Makila, Yesu. Le sang de l'Alliance. Mon cœur se noie dans ton. Toute ma famille est dans le sang de l'Alliance. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang qui crie miséricorde. Si j'étais pécheur, à cause du sang de Jésus-Christ, je ne serais plus pécheur. Je ne suis plus pécheur parce que ma vie a totalement changé. Tous mes enfants ont sur eux le sang de l'Alliance. Mon épouse a sur elle. Est-ce que maintenant tu peux prier pour ta maison? Tu peux dire à Dieu, ma tante est sous le sang de l'alliance. Ma maison est sous le sang de l'alliance. Est-ce que tu peux prier comme cela? Bon de la bicyclette, soit mieux. Enfant, déclare que ta maison est sous le sang de l'alliance. Rien dans ta maison ne peut être attaquable. Rien dans ta maison ne peut être touchable. Enfant de Dieu. Monguna Konguluma, Konguluma. Makoyoko Kangayo Tepona Makila Mayesu. Enfant. C'est le sang du rachat. C'est le sang du rachat. C'est ce sang-là qui t'a racheté. Je suis enfant de Dieu. Il y a la puissance dans le sang de Christ. Il y a la puissance.
puissance dans le sang de Christ. Enfin, tu peux invoquer ce sang ce soir et voir tous tes ennemis s'enfuir. Tu peux invoquer le sang ce soir sur toi et voir ta stérilité en train de partir. En train de partir, en train de partir, en train de partir, à cause du sang de l'agneau. Tu m'as sauvé, voilà, je vais le chanter. Je suis Alléluia. Enfant. Est-ce que tu peux prendre ton enveloppe d'alliance? Tu peux prendre ton enveloppe d'alliance? Apocalypse 11, 12 est en train de dire, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Tu peux déclarer maintenant ce soir, donne une mission à ton offrande d'alliance. Donne un but à ton offrande d'alliance pour tout ce trimestre. Cette offrande d'alliance doit travailler en connivence avec Dieu. Cette offrande d'alliance doit œuvrer là où tu es. Élève ta voix et prie et donne une destination à cette offrande d'alliance. Dis quelque chose qui va se passer pour ta vie pendant ce trimestre. Du 1er avril au 30 juin, les choses doivent venir, les choses doivent se passer, les choses doivent se passer, les choses doivent se passer. Il y a une chose particulière à laquelle tu penses tout ce temps. Une promesse que tu as reçue pendant... Ah, déclare ce soir, la grâce qui est là, c'est parce qu'il y a le sang de l'alliance. Il y a le sang de l'alliance. Et devant le sang de l'alliance, oh, Dieu ne voit plus de péché. Il ne peut qu'agir. Rimaya kamazache. Yondoroboko zazibra. Rabaya kamamamamamama. Shenta gloria, shente reke bebe. Ribayaka mama mama mama. Ozo ya liboso, ozo loba, ozo lobe la offrande na yo. Pose ya kotika ngo liboso. Loba li loba lyoko. Eloko moko linge salema. Eloko moko linge mona. Pour ces trois mois qui arrivent. Oh Dieu tout puissant. Accorde-moi cela, Seigneur. Accorde-moi cela, Dieu de gloire. Accorde-moi cela, Papa. Je ne veux plus voir ces choses arriver dans ma vie. Je ne veux plus voir ces choses encore réapparaître dans ma vie. Accorde-moi cela, Papa. Accorde-moi ce mariage, Papa. Accorde-moi cet enfant, Papa. Accorde-moi ce travail, Papa. Accorde-moi cette grâce, Papa. Rimayaka, mama, 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 mama. Shenta gloria yondorobo. Ribayaka baza zindereke bebe. Ribayaka mama mama mama. Oui, tu es en train d'accompagner ton offrande avec des déclarations. Avec des déclarations. J'aimerais dire à quelqu'un, tes déclarations sont allées dans les oreilles de Dieu. Et Dieu dit, dans Nombre 14, 28, il te sera fait tel que j'ai entendu de mes oreilles. Ce soir, saisis l'occasion et parle, et parle, et parle. Il y a des choses qui vont se passer dans ces trois mois ici. Dis-toi, je viendrai témoigner, je viendrai témoigner, je viendrai témoigner. Yandara ba zindere ke bebe. Robo za riba ya kabaza. Shenta gloria rima ya kabama mama. Yondoro boku za riba ya kabaza. Papa, toi qui vois de l'eau du ciel.
ciel. Sois vitre de gloire, le sacrifice que tes enfants de gloire ont fait pour venir déposer de gloire ces offrandes d'alliance. S'il te plaît, agis selon que tu écoutes. Agis selon que tu écoutes de gloire. Agis selon que tu écoutes, papa. Agis selon que tu écoutes. Agis selon que tu écoutes. Agis selon que tu écoutes. Merci Seigneur. Merci de ta gloire. Jésus-Christ pouvait dire, mon Père agit et moi aussi j'agis. Père, nous avons posé un acte de foi. À toi d'agir, papa. À toi d'agir, papa. Et toute la gloire reviendra à toi. Ça reviendra à toi. Non, pas à un homme. Pas à un homme. Mais à toi-même soit la gloire, Seigneur. À toi-même soit la gloire. À toi-même soit la gloire. Alléluia. On va passer au service de la Sainte Cène. Je vais demander à ce que les membres de Romains puissent avancer devant. Si la chorale peut venir débarrasser les enveloppes, ils prennent toutes les enveloppes. La Bible déclare, car c'est Paul qui dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Dieu de gloire, nous venons te consacrer ce soir, table. Merci Seigneur de la sanctifier, de la purifier. La scène de ce soir est une scène qui va nous ouvrir les yeux. Je prie Papa, afin que tout celui qui ne voyait pas puisse voir. Tout celui qui n'entendait pas puisse entendre. Tout celui qui n'avait pas de vision puisse les avoir. À cause de ce que tu es de gloire, nous partageons cette scène de ce soir. Ô Dieu Tout-Puissant, je me rappelle de ce que cet Égyptien-là pouvait dire aux frères de Joseph. Ils lui ont dit, vous avez pris la coupe dans laquelle se sert mon Seigneur et dans laquelle mon Seigneur a des visions. Père, que cette coupe de ce soir octroie la vision claire. J'ai pris Dieu de gloire afin que les yeux des gens puissent être illuminés, qui ne voient plus avec leurs cinq sens, qui ne voient plus avec leurs yeux ordinaires, mais que l'œil de l'esprit puisse s'ouvrir à tous ceux qui s'approcheront de gloire de cette coupe. Merci Papa pour le pain. Sous le chemin d'Emmaüs, tu marchais avec ses disciples. Tu leur as parlé. Ils sentaient des choses bouger au-dedans d'eux. Mais ils ne pouvaient pas te reconnaître. Mais la Bible dit, tu pris le pain, tu rendis grâce et ils t'ont reconnu. Père, je prie afin que ceux qui vont s'approcher de cette table ce soir puissent être capables de te reconnaître. Capables de te reconnaître. De reconnaître ce que tu es capable de faire, Seigneur, dans chacune de nos vies. Bénis ces instants, Père. Au nom de Jésus. Amen. De ta sainte scène, tu es en train de prier. Ce sont des moments dangereux. Quand tu prends la sainte scène, tu es en train de prier.
parce que tes yeux vont où vont s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir clair. Tu vas voir les choses comme tu n'as jamais vu. Le pécheur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Je te coupable dans ma vie. Donne-nous la vision, papa. Donne-nous de voir, papa. À cause de donne-nous d'écouter, oh Père. Donne-nous Dieu de gloire de saisir ta grâce. Qui a pris ma place. Illumine les yeux de nos cœurs. Afin que nous puissions de gloire. Moi, Barabbas, voir. Le pécheur. Que nous puissions de Tout-Puissant. Saisir je de gloire. Coupable que nous puissions de gloire. Entendre Jéhovah. Oui. Nous entendons à plusieurs voix. De mes péchés, nous voyons beaucoup de choses. Mais nous voulons les voir selon toi. Nous voulons les entendre selon toi. Nous voulons les saisir selon toi, Dieu de gloire. Oh, merci pour la il communion, Dieu de gloire. La communion, Seigneur, Dieu de gloire, par la table sainte de ce soir. Il oh, s'appelle merci, Jésus. Alléluia. Le Nazaréen. Cet homme a pris ma place, il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus de Nazaréen. Pour celui qui avait des visions de Nazaréen, et qui les a perdues, les retrouve ce soir. Moi, Barabbas, le retrouve ce soir. Le pécheur. Tu retrouves ta capacité de voir. Je te coupable dans ma vie. Il y en a d'autres qu'on les appelait la télévision. Oh, tu peux voir à ce soir. À cause de mes péchés. Tu peux voir ce soir. Mais il tu y a voir un ce soir. Homme Dieu, qui il a pris tout l'intelligent. Homme pris ma place. Oh oui, il m'a donné sa vie. Lui qui est innocent. Il s'appelle Nazaréen, cet homme a pris ma place, il m'a donné sa vie, lui qui était innocent, il s'appelle le Nazaréen. Le Nazaréen. Au juge m'a déclaré cet homme a pris. Au juge m'a déclaré acquitté. Lui je suis est acquitté. Innocent. Tu es acquitté. Il s'appelle. Nous sommes acquittés. Jésus. Notre juge nous a acquittés. Le Nazaréen. Notre juge. C'est la foi notre avocat. Il s'appelle Jésus. Celui qui opère en ce lieu. Par son Saint-Esprit. Le Nazaréen. Je t'assure, mon frère. Tu vas voir. Tu vas reconnaître facilement les choses. Tu vas reconnaître facilement les choses que tu devrais se passer dans ta vie. Rimaya Kamaza. Tu vas voir, je t'assure. Tu viendras témoigner, tu viendras dire, j'ai retrouvé mes caméras, j'ai retrouvé ma vision. Maintenant, je puis voir. C'est la grâce qui accompagne à cette scène ce soir. Oh Dieu, il a pris toutes mes peines. Il m'a libéré de mes chaînes. Il fut condamné à ma place. Oh oui, cet homme, je ne l'oublierai jamais. Il a pris toutes mes peines.
Il m'a libéré de mes chaînes, mon Jésus. Il fut condamné à ma place. Cet homme de Jésus, je ne l'oublierai jamais. Oh Jésus, Jésus. Il m'a rien. Cet homme de Jésus agit dans nos vies. Il est tout pour moi. Cet homme m'a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui est innocent, il s'appelle Jésus de Nazareth. Cet homme m'a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Savoir l'espérance qui est attachée à son appel. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui est innocent, il s'appelle Jésus de Nazareth. Oui, le Nazareth. Le Nazareth. Chante-le comme une prière. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour toi. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour toi. Chante-le comme une prière. Il est parti à la croix pour toi. Natato liango ma boko li kolo Yeah.
Est-ce que l'église peut le dire? Tato lango masika e sia sikana sikana Ainsi nous pouvons déclarer pour ce trimestre la paix, la justification, le salut, la sanctification dans le nom tout-puissant de Jésus, car il nous a rachetés, pas avec de l'argent, pas avec l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ mort à la croix. Et à cause du sang, nous ne sommes plus dans la condamnation, mais nous avons été justifiés à cause de Jésus-Christ mort à la croix. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous avons fait encore alliance avec toi. Et nous croyons Seigneur que ce qui nous condamnait hier ne nous condamnera plus. Ce qui nous condamnait hier ne nous condamnera plus. Car nous avons été justifiés. Nous avons été acquittés. Seigneur, un peu comme cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, tu nous dis aujourd'hui, où sont ceux qui te condamnaient? Ils ne sont plus là. Moi aussi, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Que Dieu bénisse. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et qu'il bénisse sa parole. Rentrez dans la paix du Christ au nom de Jésus. Amen.